Noak Tchad, la capitale mauritanienne, accueille le 31e sommet ordinaire de chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, dont les travaux s'ouvrent ce 1er juillet 2018. Plus de 42 dirigeants africains y sont attendus. La lutte contre le terrorisme, la corruption, la réforme des institutions et bien d'autres questions de leur figure parmi les dossiers à traiter. Fin hier au Palais de la démocratie de la première session ordinaire 2018 de l'Assemblée nationale, cette session a permis aux élus du peuple d'adopter plusieurs projets de loi devant contribuer au bien-être de la population. Et puis la COBAC, en tant que Commission bancaire de l'Afrique centrale, a mis un nouveau dispositif de réglementation. Ce dispositif a été présenté aux acteurs du secteur à Yaoundé au Cameroun. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette session d'information. Au départ de ce journal, quelques messages du président de la République adressés à son excellence Joseph Kabila Kabengé, président de la République démocratique du Congo. Monsieur le Président et chers frères, à l'occasion de la commémoration du 58e anniversaire de l'accession à la souveraineté internationale de votre beau pays, la République démocratique du Congo, le 30 juin 2018, il m'est agréable de vous adresser au nom du peuple tchadien, de son gouvernement et à mon nom propre, mes vives et chaleureuses félicitations. Je saisis cette heureuse occasion pour vous réaffirmer ma disponibilité à œuvrer davantage au développement et au renforcement de relations de fraternité, d'amitié et de coopération qui existent entre nos deux pays au bénéfice mutuel de nos peuples frères. Veuillez croire, Monsieur le Président et chers frères, aux assurances de ma très haute et fraternelle considération. Élisabeth Nau, Président de la République du Tchad, chef de l'État, chef du gouvernement. Un autre message adressé à son Excellence Paul Kagame, président de la République du Rwanda. Monsieur le Président et chers frères, la commémoration de la fête nationale de votre beau pays, la République du Rwanda, le 1er juillet 2018, m'offre l'agréable opportunité de vous présenter au nom du peuple tchadien, de son gouvernement et à mon nom personnel, mes vives et chaleureuses félicitations. Je me réjouis des relations exemplaires et de fraternité, d'amitié et de coopération qui existent entre nos États et nos deux peuples. Aussi, voudrais-je saisir cette opportunité pour exprimer à votre Excellence ma détermination et ma disponibilité à œuvrer davantage au renforcement et au restaurement de ces liens au bénéfice mutuel de nos deux peuples. Je forme à votre endroit et à celui du peuple rwandais de vœux de santé, de concorde et de progrès et prie votre Excellence d'agréer les assurances de ma très haute et fraternelle considération. Idriss Déby Itno, président de la République du Tchad, chef de l'État, chef du gouvernement. Message adressé à Pierre Nkurunziza, président de la République du Burundi. Monsieur le Président et chers frères, la célébration de la fête nationale commémorant l'accession à la souveraineté internationale de votre beau pays, la République du Burundi, le 1er juillet 2018, m'offre l'agréable opportunité de vous adresser au nom du peuple tchadien, de son gouvernement, ainsi qu'à mon nom propre, mes très vives et chaleureuses félicitations. J'ai saisi cette heureuse occasion pour réaffirmer ma disponibilité à œuvrer davantage de concert avec votre Excellence au développement et au renforcement de relations d'amitié, de fraternité, de coopération qui existent entre la République du Burundi et le Tchad, mon pays, en formant mes sincères souhaits de bonne santé, de bonheur et de paix pour vous-même et vos compatriotes. Je vous prie de croire, Monsieur le Président et chers frères, aux assurances de ma très haute et fraternelle considération. Élisabeth Nau, président de la République du Tchad, chef de l'État, chef du gouvernement. À suivre à la fin de cette édition, quelques actes du chef de l'État. Et puis, je le disais en titre, Noak Tchad, la capitale mauritanienne, accueille le 31e sommet ordinaire de chef d'État et de gouvernement de l'Union africaine, dont les travaux s'ouvrent ce 1er juillet 2018. Plus de 42 dirigeants africains y sont attendus. La lutte contre le terrorisme, la question de réforme des institutions, la corruption et la zone de libre-échange continental figurent parmi les dossiers à traiter. Le président de la République, Idriss Déby Itno, se trouve depuis cet après-midi dans la capitale mauritanienne. Ibrahim Adamomat. C'est sous le thème « Vaincre contre la corruption, un chemin durable pour la transformation de l'Afrique »
que les assises du 31e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine se tiendront à Nouakchott, la capitale mauritanienne qui a fait peau neuve pour la circonstance. Nouvel aéroport, nouveau centre de conférence et nouvelle avenue, les autorités mauritaniennes n'ont pas lésiné sur le moyen pour tenir le pari de l'organisation de cette messe de dirigeants du continent. Une ville de Nouakchott requinquée qui enregistre depuis quelques jours les arrivées des différentes délégations. La délégation du président de la République, Idriss Déby Itno, est arrivée ce 30 juin à la veille de l'ouverture de la 31e session ordinaire des chefs d'État et de gouvernement un peu vers 13h30 local. C'est à l'aéroport international Nouakchott-Om Tounsi, situé à plus de 35 km de la ville, que le président Mohamed Ould Abdel Aziz accueillait ses hôtes de marque. Et ce samedi, il reçoit son ami, frère et homologue tchadien Idriss Déby Itno. Dans le style, l'accueil a été sobre mais très chaleureux. Les deux hommes s'apprécient mutuellement et les retrouvailles sont toujours aussi sympathiques et cordiales. À l'accueil, il y avait aussi le ministre tchadien des Affaires étrangères, Chérif Mohamed Zène, l'ambassadeur du Tchad à Addis Abeba et auprès de l'Union africaine, Fadlacid Ali Nafé, ainsi que des officiels mauritaniens. Après le bref entretien au pavillon d'honneur de l'aéroport, le président Mohamed Ould Abdelaziz prend congé de son hôte. Ensuite, le cortège présidentiel tchadien s'ébranle et met le cap sur la résidence où est logée la délégation tchadienne. Et devant celle-ci, la petite colonie tchadienne de la Mauritanie a souhaiter la bienvenue avec la manière au chef de l'État et à la délégation qui l'accompagne. Cette ferveur patriotique est renouvelée à chaque déplacement du président de la République au pays de Mokhtar Ould Dada. Et le président de la République, Idriss Déby Itno, vient à la rencontre de ses compatriotes qui ont bravé cette chaleur torride de Nouakchott pour venir lui dire marhaba. À Nouakchott, où le président français est attendu également, le dirigeant africain, 42 au total, annoncé par les officiels mauritaniens, se pencheront sur plusieurs dossiers chauds du continent qui porteront pour l'essentiel sur la question des réformes de l'institution, la lutte contre le terrorisme, la zone de libre-échange continental où sa ratification n'est pas toujours effective, la lutte contre la corruption en Afrique et la sempiternelle question du Sahara occidental. En marge de cette 31e session de l'Union africaine, une rencontre entre les chefs d'État des pays membres du G5 Sahel et le président français Emmanuel Macron est prévue. Déjà à 18h ce samedi, une réunion du Conseil paix et sécurité de l'Union africaine figure sur l'agenda du président de la République. Le touriste en Djamena fin hier au palais de la démocratie de la première session ordinaire 2018 de l'Assemblée nationale. Cette session, la première de la 4e République, a permis aux élus du peuple d'adopter plusieurs projets de loi devant contribuer au bien-être de la population conformément à la loi fondamentale du 4 avril 2018. Le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, a été représenté à cette session par le ministre d'État, conseiller à la présidence de la République, Dr Nouradjine Deloua Kasside Koumakoye. En procédant à la clôture de cette session, le président de l'Assemblée nationale, Haroun Kabadi, s'est félicité de la participation des élus du peuple. Un extrait de ses propos. En plus de l'adoption de la Constitution consacrant l'avènement de la 4e République, par voie parlementaire, 12 projets de loi de texte ont été adoptés. Il s'agit de projets portant ratification des ordonnances ou adoption, tendant à améliorer les conditions de vie de la population par un accès à l'eau potable, à l'énergie solaire et aux services sociaux de base, à renforcer l'état de droit et la gouvernance politique et économique, à lutter contre le terrorisme et la corruption. L'Assemblée nationale a noté avec une très grande fierté et un immense espoir la série d'ordonnances prises par le gouvernement dans le cadre de la mise en route des réformes institutionnelles qui vont dans le sens des attentes du peuple tchadien. Il en est ainsi de l'ordonnance instituant la parité entre hommes et femmes dans les fonctions nominatives et électives pour élever le niveau d'implication et de participation des femmes dans la gestion des affaires publiques. L'adoption par l'Assemblée nationale
du projet de loi portant création d'une maison nationale de la femme au Tchad procède de cette démarche et constitue un instrument de l'épanouissement et de l'autonomisation sociopolitique, économique et culturelle de la femme tchadienne. D'ores et déjà, l'Assemblée nationale, en attendant le moment de ratifier ces ordonnances et en accord avec le gouvernement, parce qu'il s'agit véritablement de mettre le Tchad, notre pays, sur l'orbite de la modernité avec les différentes réformes issues du Forum national inclusif. Nous notons dans ce même contexte, avec satisfaction, l'initiative de tourner la page du passé pour permettre à nos compatriotes, auteurs d'infractions prévues par des dispositions du titre 1 du livre 2 du Code pénal relatif aux atteintes à l'intégrité de l'État, de bénéficier de l'amnistie. C'est une chance accordée à nos compatriotes pour se remettre au service de leur pays et ainsi contribuer à la renaissance du Tchad. Outre l'adoption des différents projets de loi, des journées d'information ont été organisées sur plusieurs thématiques, parmi lesquelles le Tchad dont nous rêvons, la privatisation de la coton Tchad, etc. Hier 29 juin, le ministre du Pétrole de l'Énergie a effectué une visite à la société de raffinage de N'Djamena. À l'issue de cette visite, le ministre Boukamouchel a reconnu le travail abattu par la direction de la raffinerie de Diarmaya. Il a plaidé par la même occasion en faveur de la formation de jeunes Tchadiens dans ce domaine. Je vous propose de l'écouter dans un extrait proposé par Marale Joséphine. Donc, quand on faisait les travaux de la raffinerie sur une superficie de 5 x 5 km, c'était de la brousse. C'était de la brousse. Et aujourd'hui, cette raffinerie que nous venons de visiter fait la fierté du Tchad. Et ceci grâce aux efforts conjugués de deux chefs d'État, le président Xi Jinping et le président Idriss Déby Itno, auxquels nous sommes parvenus à résoudre le problème énergétique dans ce pays. C'est ça mes premières impressions. La deuxième impression, c'est que les techniciens tchadiens, je peux dire au risque de me tromper, se sont acquittés, se sont impliqués pour maîtriser un peu la technologie. Le message que je venais de transmettre à l'équipe chinoise, c'est qu'ils doivent faire un plan de formation. Et vous savez que le DG, M. Xi, le DG chinois, m'a confirmé que c'est avec l'arrivée du DGA de la raffinerie que le plan de formation et l'intégration de jeunes au sein des départements a été planifié et c'est ce qui est fait. Je l'encourage à aller dans ce sens. Maintenant, j'ai instruit à ce que la direction générale de la raffinerie fasse un plan de formation uniquement en langue chinoise. Parce que pour les ingénieurs qui maîtrisent déjà la technique, il faut qu'ils apprennent la langue chinoise. J'ai également instruit qu'à l'époque, certains documents étaient uniquement traduits en chinois. Et cette fois-ci, il faut qu'on me les traduise en français et ou anglais. Et cela soit transmis au ministère. Et une partie va être restée à la raffinerie sur, par exemple, les unités de distillation, le craquage catalytique. Et tout ça, il faut qu'ils les mettent en valeur. Le secteur de la microfinance est considérablement renforcé dans les pays de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, la CEMA, un renforcement qui a rendu possible quelque peu obsolètes les textes qui régissent ce secteur. Pour remédier à la situation, la COBAC, entendue par la Commission bancaire de l'Afrique centrale, a mis en place un nouveau dispositif qui a été présenté aux acteurs du secteur à Yaoundé au Cameroun. Mantar Saint-Tiche a tenté à suivre les travaux pour Télétchat. Voici son reportage.
C'est un nouveau dispositif qui dorénavant va réglementer l'exercice et le contrôle d'activité de la microfinance dans la zone CEMAC. Il vient remplacer celui de 2002 qui a montré ses limites face au développement extraordinaire du secteur. Ce sont de nouvelles orientations nées du consensus, rassure le président de la Commission bancaire de l'Afrique centrale. Plus précisément, le nouveau dispositif réglementaire repose sur le règlement CEMAC relatif aux conditions d'exercice et de contrôle de l'activité de microfinance, autour duquel s'articulent 11 règlements COBAC d'application et une instruction. En particulier, et sans être exhaustif, le nouveau dispositif introduit des changements portant sur l'organisation de l'activité d'établissement de microfinance, notamment par la suppression des EMF indépendants de la première catégorie désormais réservée exclusivement aux établissements en réseau. Les formes juridiques d'établissement de microfinance, par une harmonisation avec les règles du droit commun OADA, notamment sur les sociétés coopératives. Le régime des agréments, les autorisations préalables et de l'information préalable qui se rapproche des exigences fixées pour l'établissement des crédits. Le capital social minimum des EMF qui est renforcé pour assurer une plus grande stabilité du secteur. À Yaoundé, les acteurs du secteur ont pu décortiquer le nouveau dispositif à travers trois thématiques. Règles de constitution, activités autorisées, agréments et modifications des situations, gouvernement d'entreprise, contrôle interne et supervision, puis le traitement des créances et activités des commissaires aux comptes. Tous les acteurs de la microfinance dans la zone CEMAC ont 2 ans à compter du 1er janvier 2018 pour se conformer au dispositif de cette nouvelle réglementation. Bon à savoir, en date du 31 décembre 2017, on a recensé près de 700 établissements de microfinance agréés en activité dans la zone CEMAC avec un bilan de plus d'1,150 milliard de francs CFA. À l'issue de travaux du séminaire, le gouverneur de la BAC, par ailleurs président de la COBAC, s'est entretenu avec la presse venue de différents pays de la CEMAC. Outre les questions relatives au nouveau dispositif de réglementation du secteur, Abbas Mamatouli a souligné la nécessité d'encadrer solidement l'exercice de l'activité de la microfinance pour protéger les clients de l'escroquerie de certains établissements. Un extrait de ses propos. Nous avons les règlements COBAC et les directives qui viennent donner des précisions affinées. Comment faire? Eh bien, quelles sont les procédures en termes d'octroi des crédits, de provisionnement des créances, de classement des créances. La COBAC est structurée de sorte à assurer un suivi, un contrôle permanent à travers le reporting que les banques font. Et lorsqu'on envoie les missions dans ces établissements de crédit, on constate également, aussi bien les commissaires aux comptes ont l'obligation également de nous envoyer les rapports qu'ils établissent. Et tout cela nous permet justement de nous assurer comment ces établissements sont gérés. Et donc nous avons aussi un travail de sensibilisation à l'endroit des organes sociaux, de façon que cela aussi gère mieux les ressources à leur confier par les déposants. Le sous-directeur de la planification régionale du ministère de l'Économie et de la Planification du Développement a présidé hier une rencontre d'échange entre les membres de l'Écosite 4 et la Banque mondiale. Plusieurs sujets ont été abordés au cours de cette rencontre ayant au déroulement de l'Écosite 4. Abdulhadi Momassali. Renforcer les capacités des membres de l'Écosite 4 sur les activités de ces projets et la mobilisation des ressources en faveur du Tchad. Tels sont les objectifs de ces échanges organisés par la Banque mondiale. Des échanges qui ont permis de disposer d'un résultat fiable sur les enquêtes en cours d'exécution sur l'ensemble du territoire national. C'est un exercice très important parce qu'il renseignera toutes les politiques publiques et également ça sera la base pour dessiner les différentes interventions d'assistance au développement du Tchad au cours des années. Pour les représentants du ministre de l'Économie et de la Planification, les résultats de l'enquête jouent un rôle très important dans le développement socio-économique de notre pays. Compte tenu du retard dans la réalisation de l'enquête, comme il a précisé, ça fait 7 ans, nous avons assez de problèmes quand nous avons commencé l'élaboration de la vision 2030, le Tchad que nous voulons, qui a été décliné en premier plan quinquennal national de développement 2017-2021. La 4e édition d'Écosite
permet de mieux connaître l'évolution de la société civile grâce à un large déploiement des agents recenseurs avec des protocoles de questionnaires administrés dans les 23 régions du pays. Le centre d'animation du 3WA Dao Tchad a organisé hier le concours international dénommé Génie en Herbe. Ce concours permettra de présélectionner les candidats qui vont représenter le Tchad au grand concours de l'OADA en Côte d'Ivoire. Idriss Oumar Idriss. Sur 56 inscrits, 46 candidats participent à cette compétition dite de Génie en Herbe de l'OADA. Un concours à caractère national réservé aux étudiants en droit du niveau licence, master des universités et instituts. Ce concours s'est déroulé sous les regards attentifs du jury, composé de techniciens en droit des affaires. Les candidats vont composer sur des épreuves écrites et orales relatives à l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique des droits des affaires. C'est une bonne plateforme pour nous, étudiants en droit, de savoir ce à quoi nous sommes destinés dans le futur. Le droit est OADA et au carrefour maintenant des droits des affaires en Afrique. C'est ce qui m'a motivé le plus à venir faire ce concours. Sur les 46, trois candidats, dont une fille, seront retenus pour représenter le Tchad, mieux l'Afrique centrale en Côte d'Ivoire. Il est né de l'initiative des étudiants juristes de Côte d'Ivoire. C'est un cadre de promotion intellectuelle qui fait la vulgarisation et la promotion du droit au OADA. Et cette vulgarisation s'appuie sur la jeunesse étudiante à travers un concours international de plaidoirie qui s'adresse aux étudiants des pays membres de l'OADA. Institué depuis 2008, le concours des génies en herbe de l'OADA est organisé chaque année. Le Tchad est à sa troisième participation. Prière de travaux de l'atelier de formation sur les techniques d'actes juridiques organisées par le CEFOD, les parajuristes venus des différentes organisations de la société civile, leur a permis de mettre leurs connaissances à jour sur la rédaction de documents juridiques. Dame Gujoué Litné. 4 jours d'intenses travaux ont permis aux parajuristes d'entrer dans les méandres du droit en apprenant les techniques de rédaction d'actes juridiques. Ces actes sont entre autres la plainte, la requête, l'acte de reconnaissance de dette et les différents contrats. Résolus à faire usage de ces connaissances dans leur profession, les parajuristes recommandent au CEFO d'intensifier de telles formations qui sont de nature à contribuer à la promotion de la justice et de la bonne gouvernance. Le directeur du CEFO exhorte les participants à mettre en pratique les connaissances acquises. Le CEFO ne ménagera aucun effort pour vous appuyer dans l'accompagnement et le suivi évaluation. L'appui à la société civile à travers le renforcement des capacités est notre credo. Les parajuristes, faut-il le rappeler, sont des personnes issues des différentes corporations professionnelles et qui, grâce aux formations qu'ils reçoivent en droit, peuvent assister les juristes dans l'exercice de leur métier. En politique, le conseil régional du MPS pour la région de Chariba-Guirmé a organisé une cérémonie de réjouissance pour remercier le président fondateur d'avoir désigné un de leurs au bureau politique national. Il s'agit de Abdelkader Abakar. La cérémonie s'est déroulée à Klessoum, localité située à une quinzaine de kilomètres à l'est de N'Djamena. Adef Ahmed Ben Rahman. Regroupé autour du secrétaire général régional du MPS de Chariba-Guirmé, Kader Saleh Kana, les militants du parti, parents, amis et connaissances ont célébré dans l'allégresse la désignation du docteur Abdelkader Abakar Adam au bureau politique national BPN. Pour cette marque de confiance, le comité d'organisation s'est montré reconnaissant au premier responsable du parti. Je voudrais ici, au nom de tous les parents et amis, remercier solennellement le président fondateur du MPS Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, et le camarade secrétaire général du MPS, Mohamed Zain Bada Abbas, pour la confiance placée en l'endroit de notre très cher frère, le docteur Abdelkader Abakar Adam. Le président du comité de réflexion, Mohamed Idriss, a quant à lui cité la région de Chariba-Guirmé comme modèle de militantisme par le ratissage large aux élections présidentielles passées. Il appelle les camarades à garder le même élan pour remporter les élections qui pointent à l'horizon. Ses mérites sont également reconnus par Aboubakar Mohamed Abdallah Bourgo, militant du MPS.
Le secrétaire général régional du MPS du Chari Bagrimi appelle pour sa part ses camarades et frères de la région à l'unité. Cadre, Salekan leur demande d'apporter leur soutien aux nouveaux membres du BPN. Docteur Abdelkhadir Abakar Adam a exprimé sa gratitude au président fondateur du MPS Idriss Déby Itno et au secrétaire général du parti pour cette confiance et rassure se mettre au service du MPS dans l'intérêt général et celui de la région. Et pour relever les défis, il sollicite le soutien de tous. L'Union pour la démocratie et la République, Parti socialiste démocrate, a organisé ce 30 juin son 11e congrès ordinaire de son comité central. Ce congrès se déroule sous le thème déterminé et uni face aux défis électoraux. En plus de militants, les représentants de partis amis sont également invités. Dame Joël Dene. Déterminé et uni face aux défis électoraux. C'est avec ces thèmes que les membres du Comité central de l'Union pour la démocratie et la République, Parti social-démocrate, UDR-PSD, organisent le 11e congrès ordinaire de leur formation politique. Le président du comité d'organisation du dit congrès, Amos Walbadé, a salué la mobilisation des partisans ayant abouti à l'organisation de ces assises en dépit de la crise économique. Pour le président national de l'UDR-PSD, le 11e congrès est non seulement une occasion d'établir sur les perspectives du parti, il est aussi une arène de débat sur les questions sociopolitiques qui marquent la vie actuelle du Tchad. Le contexte actuel de la 4e République, qui nous plonge dans de nombreuses incertitudes, doit constituer une nouvelle opportunité pour affirmer l'existence de notre parti sur l'échiquier politique national. En préparant soigneusement ces prochaines législatives. Il faut vraiment faire preuve d'une grande diligence pour ne pas être à la queue du peloton. Docteur Dimé Ibi Lantar poursuit en invitant les membres de son parti à se mettre résolument au travail afin que l'UDR-PSD enregistre un nombre important des élus aux élections législatives à venir. Le réseau Tchad Stratégie Média a organisé ce matin une conférence de presse axée sur l'intelligence artificielle et les conditions d'une émergence russe au Tchad. Pour les panélistes, cette conférence a pour but d'améliorer les conditions de travailleurs tant du public que du privé. Mohamed Omar Mouksal. Conférence au débat du réseau Tchad Stratégie Média est axée sur l'importance de l'intelligence artificielle et les conditions d'une émergence russe au Tchad. Elle s'inscrit dans le cadre des objectifs du développement durable ODD à travers la technologie. Les panélistes Konoji Gelengar Roland, Abakar Maloumi et le président de la commission ODD à l'Assemblée nationale, le député Issa Mardo Djarma, ont échangé avec le public sur les quatre plans de l'intelligence artificielle. Il s'agit entre autres des enjeux, des champs d'application, d'adaptation de l'intelligence artificielle et l'émergence d'un pays dans tous les domaines. Ce système a pour but l'amélioration des conditions de travail afin d'obtenir un résultat fiable pour un développement harmonisé. Les sujets liés au système pour l'amélioration des procédures de travail n'ont pas été perdus de vue par les conférenciers. Open Service, tout le monde a suivi, et les résultats sont inquiétants. Par rapport à notre système éducatif, tout comme dans les autres secteurs qui ont été cités, notamment la santé. Vous savez, on a beaucoup de problèmes. Question d'emploi. Ce système, une fois mis en application, contribuera efficacement au développement du secteur public au Tchad. C'est pourquoi il a été sollicité la forte implication des plus hautes autorités du pays. Et puis dans nos provinces, la stratégie de financement du comité régional d'action du SILA. Le sujet a été au centre d'une réunion présidée par le gouverneur Ramadan Erdogan Gozbida. Cette réunion de plaidoyer pour le financement du CERA permettra de renforcer les structures de coordination décentralisées en vue d'une meilleure planification de définition et de priorité de la région. Y ont été conviés les cadres de la région et partenaires au développement. On fait le point avec Varelec. Le comité régional d'action de SILA est chargé de plusieurs missions, entre autres la planification du développement de la région, le suivi et évaluation des actions de développement, la production d'informations, la coordination et la mise en cohérence des actions des partenaires intervenant dans la région.
Le SILA, faut-il le rappeler, est une région constamment confrontée à des difficultés. Dans le but de permettre au CRA de répondre à sa mission régalienne, il est primordial d'avoir un plan d'action qui prend en compte les champs de son mandat et qui faciliterait une meilleure mise en place des politiques conduisant vers des solutions appropriées et durables répondant aux besoins essentiels des populations. C'est pourquoi, ce 27 juin, une réunion dite de mobilisation pour le financement du dit plan a été tenue. Pour l'occasion, le gouverneur Ramadan Erdebou a indiqué que le CRA traduit la vision du président de la République qui met un accent particulier sur l'amélioration des conditions de vie des populations tchadiennes. Par la même occasion, il a invité les partenaires humanitaires et les organisations de développement à se positionner pour faciliter la réalisation des différentes actions planifiées. Ce plan d'action de plus de 122 millions de francs CFA, une fois financé, permettra au comité régional d'action des SILA de renforcer les structures de coordination décentralisées en vue d'une meilleure planification et définition des priorités de la région, assurer le suivi et l'évaluation des programmes dans la région, améliorer la concertation, la diffusion des informations et le partage des alertes. Dans la région du Mandoul, le groupe de réflexion Notre Mandoul et les collectifs de jeunes de cette région ont réuni les ressortissants du Mandoul. Cette rencontre a permis de réfléchir sur la problématique de l'éducation dans la région du Mandoul. Étaient présents à cette rencontre les députés et les cadres de la région. Ousmane Idriss Dakoun. À l'initiative du groupe de réflexion Notre Mandoul et du collectif des jeunes pour le développement du Mandoul, les fils et filles de cette région échangent autour de la problématique de l'éducation dans leur circonscription. Diverses couches socio-professionnelles ont été conviées à cette rencontre en vue d'apporter leurs suggestions et propositions afin d'enrichir les documents soumis à leur appréciation. Les dix documents, une fois adoptés et validés, servira d'une feuille de route pour les actions futures tendant à relever les défis liés à l'éducation. Le fait déclenchant, le fait qui nous ont amené à cette rencontre aujourd'hui, c'est que le CNUD, en 2013, dans son document de stratégie de prévention des crises et de relèvement au Tchad, il fait ressortir qu'au Tchad, il existe une masse permanente et fondamentalement rural, bien entendu avec des disparités. Et hélas, le Mandoul est la région la plus pauvre du Tchad. Pour les représentants du collectif des jeunes pour le développement du Mandoul, Gerumbay Gomibi Marius, l'éducation est la base de tout développement. C'est pourquoi la contribution de tous les fils du Mandoul a été sollicitée. Et puis rendons-nous à Bokoro. Après le décès du maire de la ville de Bokoro, le secrétaire général du département de Dababa a procédé cette semaine à l'installation de Aoudjeli Youssouf comme nouveau maire. On fait le point avec Ali Mamad Bilou. Le nouvel exécutif communal de la ville de Bokoro est officiellement installé ce samedi à la place publique de la ville. Il s'agit du nouveau maire Aoudjeli Youssouf Bachar et le nouveau secrétaire général de la commune Ahmad Adoum Assil. Tradition oblige, les maires intérimaires dressent les bilans de ces réalisations, bilan qu'ils jugent reluisant. Après avoir rendu hommage à l'ancienne équipe, le secrétaire général du département de Dababa demande au nouvel exécutif de parachever les œuvres entreprises. Installé dans ses nouvelles fonctions, les maires de la commune de Bokoro sonnent ses premiers mots comme un engagement. Nous devons ensemble tenir nos efforts pour le développement de notre commune. Je voudrais parler ici, nous sommes dans une nouvelle ère qui est la 4e République. Dans le même cadre, le maire Aoudjeli Youssouf remercie ses collaborateurs pour les choix portés en sa personne pour diriger la ville de Bokoro, une ville de plus de 50 000 habitants structurée en 23 quartiers. À Faya, une mission de la cellule permanente du ministère de l'économie, de la planification et du développement a eu une séance de travail avec les chefs de services déconcentrés de l'État de cette ville. Boussou Kigé Fernand. Analyse du fonctionnement du CRA et CDA et études exploratoires des facteurs d'appropriation ou des résultats des projets et programmes de développement par les bénéficiaires, mais aussi et surtout, elle consiste
à Saint-Prix les activités réalisées par le comité régional d'action du Borco à travers les différentes délégations des ministères implantés à Faya, chef-lieu de la région du Borco. Tel est le but visé par cette mission, a indiqué le chef de mission Sarah Dimadji Mingam Bay. Abakar Hissène Didigui, secrétaire général de la région du Borco, de relever que le comité régional d'action CRA du Borco n'est pas actif, voire non opérationnel, dont il serait impossible de parler de réalisation des activités et suivi des projets et programmes de développement dans la région du Borco. Depuis sa mise en place, le CRA a tenu une seule réunion et aucun rapport n'est parvenu au ministère de tutelle. Le manque de formation des agents de CRA, des moyens roulants et financiers ont été déplorés par les participants. Il faut signaler que cette réunion a vu la présence des chefs de services déconcentrés de l'État, les représentants des ONG et les membres du comité régional d'action du Borco. Cette fois-ci, on dit maintenant, c'est les vacances à Chilo International Academy. Les élèves de cet établissement ont reçu leur bulletin à la faveur d'une cérémonie organisée par les responsables de cette école. Varelach. À travers cette fête de fin d'année scolaire 2017-2018, l'établissement Chilo International Academy veut faire la promotion de l'excellence en milieu éducatif. Les élèves qui ont marqué le staff de Chilo International Academy ont reçu des prix d'encouragement des mains du corps enseignant. L'ultime but est de les motiver davantage dans la poursuite de leur cursus scolaire. Pour la remise des bulletins, les parents arrivent à voir l'évolution de leurs enfants qu'ils nous ont confiés. Et c'est pour cela la performance de ces enfants. Du côté des parents d'élèves, l'enseignement dispensé par Chilo International Academy est à saluer. Le résultat d'aujourd'hui est vraiment salutaire. Nous sommes vraiment satisfaits des résultats que les enfants ont obtenus. Nous remercions vraiment le corps enseignant et puis aussi la direction de cette école. Ma fille maintenant, elle a commencé à un an et demi avec eux au jardin. C'est sa quatrième année, elle est au CP1. Le niveau est excellent, sincèrement dit. Et ça vaut le coup d'être là. Chilo International Academy est un centre américain d'enseignement primaire basé sur l'enseignement de l'anglais, du français et de l'arabe littéraire. Le complexe scolaire George Washington International Academy a soufflé sur sa 10e bougie. La cérémonie anniversaire a été célébrée avec faste par les élèves enseignants et parents d'élèves venus nombreux pour la cérémonie. On fait le point avec Moussa Mboud Abdoulaye. Élèves, parents et enseignants se sont mobilisés pour donner un éclat particulier au 10e anniversaire de la création du complexe scolaire George Washington International Academy. L'exécution de la Tchadienne de l'hymne de l'Afrique du Sud et des États-Unis d'Amérique annonce l'ouverture des festivités anniversaires. Diverses manifestations culturelles, artistiques et socio-éducatives ont marqué l'anniversaire de cet établissement bilingue français et anglais créé en 2008. La déclamation des poèmes, des récitations, des chants et des danses ont ponctué la cérémonie. À l'occasion, la fondatrice et directrice du complexe a rappelé la vision de son établissement. Notre devise est « Excellence dans l'éducation pour tous ». Notre objectif premier est de donner un enseignement de qualité à nos élèves et de leur offrir aussi un cadre idéal favorable à l'éclosion de leur génie, favorable à leur épanouissement total. En ces jours anniversaires, les élèves, par la voix de leurs représentants, ont rendu toute la politesse aux responsables de leur établissement et à leurs enseignants. Au nom de la coopérative scolaire, nous venons à exprimer nos remerciements à la fondatrice de l'école pour son soutien, son engagement et son esprit novateur dont elle a fait montre toutes ces années passées à la tête de l'institution. Au nom de tous les élèves, je dis merci à tout le staff de George Washington International Academy depuis sa création et en particulier à Madame Anne-Nicole Massa-Pambé qui a toujours été une maman pour nous. Nous encourageons les parents à faire confiance à George Washington International Academy
en exprimant leurs enfants, ils verront le sérieux et la qualité dans le service. Créé suite à la fermeture de l'école américaine de N'Djamena, George Washington International Academy a l'ambition de créer une université dotée d'un campus universitaire. Vous l'avez rectifié, c'était plutôt un reportage signé à Def Ahmad Berrahma. Les femmes sentinelles du Tchad ont organisé une formation sur les techniques de prière d'intercession. La fin de la formation a été marquée par la remise des attestations aux participants. Moussambo Dobtoulaye. Ils sont 67 intercesseurs venus des différentes églises qui ont reçu leurs attestations de fin de formation. Et ceci, après 3 jours, des formations sur les techniques de prière et l'intercession afin de faire face aux calamités et aux différents conflits qui prévaut actuellement dans le monde. Des moments de louange, des prières et des prédications ont également ponctué ces retrouvailles sanctionnées par la remise des attestations. Nous joyons, nous joyons. Selon la présidente du comité d'organisation, les fidèles doivent être des sentinelles pour contrecarrer toute déviance grâce à la prière. Nous avons décidé de former les gens pour se tenir à la brèche parce que nous savons que notre pays en a besoin. Nous aimerions que ces dieux se manifestent dans notre pays. Le représentant du président de l'Alliance biblique des églises pentecôtistes du Tchad salue l'initiative. Le pasteur Komi Foli a également profité de cette occasion pour conseiller les fidèles à la prière en faveur de notre pays, mais aussi soutenir le processus de la paix dans toutes les nations du monde. Fin de la formation de jeunes sportifs regroupés depuis 2 semaines à Bakara. C'est une première pour le comité olympique et sportif tchadien. Le point avec Innocent Cléon. Les Jeux olympiques de la jeunesse du mois d'octobre de Buenos Aires en Argentine et les Jeux olympiques de Paris 2024 sont les deux enjeux qui motivent actuellement le comité olympique sportif tchadien. Pour y parvenir, le COST vient de former une trentaine de jeunes athlètes. La formation a duré 2 semaines et elle vient de s'achever sur une bonne note, déclare le président du comité olympique sportif tchadien. Préparation à cette grande messe du sport mondial pour vous démarre aujourd'hui à la sortie de ce camp. Grâce à vos encadreurs techniques, vous avez bénéficié de leur expérience. Le directeur général de la promotion de la jeunesse, des sports et de l'emploi salue l'initiative du comité olympique sportif tchadien. Ce camp doit être pour vous, pour atteindre un point élevé. C'est pour justifier votre temps passé en dehors de vos familles respectives, combats et des compétitions. Venu de la Fédération tchadienne de karaté, de judo, de taekwondo, d'athlétisme et de tir à l'arc, ces jeunes athlètes ont reçu des attestations de reconnaissance et des médailles d'encouragement. Et puis cette information en bref, éliminatoire Coupe du Monde de basketball, deuxième phase, les basketteurs nationaux ont livré leur premier match hier en Tunisie. Score de la rencontre, 111 points pour le Tchad et 72 pour le Cameroun. Voilà, acte du chef de l'État numéro 1401, portant désignation de membre de la Cour suprême. Le président de la République, chef de l'État, chef de gouvernement, président du Conseil des ministres, décrète article 1. Monsieur Tata Mamazine est désigné membre de la Cour suprême en remplacement de Monsieur Mamad Awade Naïssa appelé à d'autres fonctions. Article 2. Le présent décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. N'Djamena, 29 juin 2018. Idriss Déby, Itno. Acte numéro 1405 portant nomination du président du Conseil économique, social et culturel. Le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, décrète article 1. Monsieur Abdelkarim Amadaï Barit est nommé président du Conseil économique, social et culturel. Article 2. Le président décrète qui abroge toute disposition antérieure, contraire, prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République. N'Djamena, 30 juin 2018, Idriss Déby Itno.
acte numéro 1406 portant nomination d'un inspecteur général d'État. Le président de la République, chef de l'État, président du Conseil des ministres, décrète article 1. Monsieur Mahamat Amata Mahamat Zagalo est nommé inspecteur général d'État en remplacement de Monsieur Nassour Galen Douxia Waïdo. Article 2. Le présent décret qui annule toute disposition antérieure et contraire prend effet pour compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. N'Djamena, 30 juin 2018, Idriss Déby Itno. Et ses communiqués du Front de l'opposition nouvelle pour l'alternance et le changement, réunis en plénière ce jeudi 28 juin. Au siège du PLD, les partis politiques membres du Front de l'opposition nouvelle pour l'alternance et le changement FONA, conformément au code de conduite, ont procédé à la désignation par consensus de membres du nouveau bureau de la coordination. Il est composé de Mamat Adam, coordinateur, Magadi Barkaï, coordinateur premier adjoint, Mora Toumbaï, coordinateur deuxième adjoint, Assoua Taba, rapporteur, Mohamed Abadjabou, rapporteur adjoint, Yassine Abdourman Sakin, trésorier, Mohamed Tahir Djibrin, trésorier adjoint, Mohamed Adam Khalifa, conseiller, Seyit Tchétchiré, conseiller. N'Djamena, 28 juin, le coordinateur, Mohamed Adam. Ainsi donc, c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Très bon suite de programme sur Téléchat.